Ah, il ne joue pas avec. Ok. Il ne joue pas avec Inspiration, il n'aura pas Approach Velocity du coup. Après, c'est moins primordial quand t'as un Ghost, mais quand même. En général, tous les Olaf prennent cette page de rune. Là, il est Inspiration. Il sera donc plus tanky. Merci, I am the Covid. Les gars, je vais vous faire un podcast sur les voitures. Je sais pas si vous avez remarqué, mais parfois vous rentrez dans une voiture et le chauffeur il a mis une clim de malade. Et vous lui demandez de baisser la clim et il fait genre il comprend pas pour garder sa clim. Et après du coup t'as les narines et la gorge et les oreilles toutes sèches. N'hésitez pas à suivre ma chaîne si vous avez déjà vécu cette situation. Ne starte pas top finalement. Là, je suis un grand détesteur de l'air climatisé, même en pleine canicule. Je préfère être en slip et m'hydrater régulièrement que mettre la clim. C'est un faux counter la clim. L'air, il est trop bizarre, il est là, il est tout sec. C'est un air qui transmet des maladies. Tout le temps, ça se finit mal pour moi quand je respire de l'air climatisé un peu trop longtemps. Je devenais dingue dans les box à Eclipsia, je me rappelle pour ça. Ils étaient des fous furieux. Ils mettaient la clim genre à 18 ou quoi. Il va y avoir un bounce. Problème, c'est qu'il aura un niveau d'avance. Faut que j'arrive à accumuler un petit peu de furie. On a juste à le bloquer. On attend la fin du gauche, jamais il peut 1v2, même avec son passage niveau 3. Ah ouais! Jusqu'ici! La Lux va le récupérer, je pense. Faut que je vienne en mode couverture. La Lux est encore top. Peut-être elle est partie là. En vrai, si je reset pas, c'est un peu la merde pour moi. Il va récupérer le meilleur lane. Après, celle-là va sous tour? Non, c'est bon, ça va sous tour. Hop, hop. Ouais, c'est triste pour le père Olaf, mais je pense que c'est notre meilleure stratégie de l'abuser, parce qu'on a deux persos qui sont excellents contre lui. Il se doute, ce qui est un peu normal. Après, sur un pilier, il peut mourir, hein. Les burst à la fin avec son E, fallait juste éviter ça. C'est en vrai, il peut pas faire grand chose. Je pense que je peux garder la lane telle quelle et avec mon bouclier et mon Q, bien me remonter en HP.
Il a raison de venir la push. Le seul truc qu'il peut faire, c'est espérer la push avant que le Trundle soit de nouveau là. Est-ce que ça va tenter de me dive carrément avant que le Trundle soit là? Je pense pas. Hein. Ce sera un peu de la folie. Oh, c'est le vilain passage niveau 6. Ah ! Derrière, on enchaîne avec mon slow. Pauvre de toi, chez mec, je compatis. Ça se passe, bot. Ça meurt pas en tout cas. On peut le dive instantanément, oui, j'aurai l'ult. Après, il aura la fatigue. Donc, faut être sûr qu'on ait assez de dégâts. Et il a fait Warden en premier. C'est très bien contre Trin, contre Trundle aussi. On lui retire la plaque de juste avant. Je sais, je sais. Et ce pour vraiment tous les pires trucs. C'est bien, ça partage avec le Trundle. Est-ce qu'il y a un vilain insecte? Je crois pas. Non, il est pote. Bon, qu'est-ce que je vais prendre, moi? Tac et voilà. Ah merde, j'ai oublié la pink. La prochaine fois, peut-être. Faudrait que je pose mes trinkets, moi aussi. Et je suis tellement bien, avec aucune pression sur ma lane. Oh, 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 oh. J'ai pas d'ult après. Il a glissé une pink ici, on peut lui retirer ça. Je suis tellement fit que je peux enlever un Olaf alors que j'ai pas d'ult. Après, il avait pas d'ult également. Je pense avec l'ult, il gagnait. Ou avec l'ult, j'aurais juste 10 engages en vrai. Bah là, du coup, on est sous tour et je vais récupérer l'ult. On peut lui mettre un dive instantané. Après, c'est peut-être mieux qu'il aille clear son blue side. Je pense que mon matchup est tellement bien que je devrais chercher à garder cette tour un peu plus longtemps. En vrai, flash pour flash, il perd du temps. Je vais pas être en grande difficulté sans ult sur ma lane. Ça me va. J'achète une épée longue pour être plus fort sur ce back, quitte à délai mon mythique. Tant pis. Plus c'est bien, il investit flash et ulti pour même pas me tuer. Le seul souci, c'est qu'ils ont Yumi. Kha'Zix avec Yumi posé sur lui, même s'il est pas feed, ça peut vite devenir chiant et du coup, ça peut vite se feed. Bon, je peux pas le die vu que j'ai pas d'ult. De toute
façon, en vrai, pas vraiment besoin de le dive. Il y a juste à hop. En vrai, c'est ma tourelle qui a eu la enfin, c'est mon équipe qui a eu la première tourelle vu que j'ai gardé la mienne en vie. Je pense que c'est une bonne chose. Partage les golds. Ils se mettent un peu mieux. Est-ce que tu ferais pas les golems, toi? Ils ont déjà été faits, peut-être par lui, peut-être par le K. Oh. Je ne serais pas très content à la place de ce Kha'Zix de me faire voler. Si je reste là, je prends le risque de me faire burst par la Lux avec le K. Je sais pas s'ils ont l'info. Allez, croque. Je préfère Kraken pour mon match-up, mais contre le reste de toute l'équipe, Gale Force c'est mieux. Il a l'exhaust. J'ai beaucoup de gold sur moi, il a l'exhaust. Il est tanky l'air de rien, je sais pas si je veux vraiment le ghost ult. Je vais back. Je vais back et je vais pousser mon match-up au maximum. Allez, ça joue Kraken. De toute façon, je pense que mon seul rôle cette game, c'est de faire un tunnel sur le Olaf. Pas besoin que je groupe avec mon équipe, ils sont bien. Je vais me permettre le Gromp. Gromp et portail dans leur jungle. Attends, ça marche bien comme ça. Oui, je peux... Je peux faire ça. Petit golem. Le plus triste, ce serait qu'il vienne check les golems et que je le tue, du coup. Après, il a le ghost et l'exhaust. Faudrait que je cherche à lui forcer ça avant. Oh. Faut que j'avance top. Et pas rester là-dedans. Après, il a les tunnels pour vite revenir. Le truc, c'est que là, il va revenir avec... Kabi et tout. Bon, cette game est gagnée, je pense. Non, il prend pas. Oh, cœur, j'ai les premiers items, c'est bien. J'ai rien à craindre. Il n'a pas de flash pour me suivre une fois que je passe le mur. Je veux juste pas claquer de sort d'invocateur pour lui, ou pas trop. Et si j'arrive à lui forcer ses sorts d'invocateur petit à petit, ça va devenir un free kill. Alors, tu vois, je préfère clairement avoir le ghost pour ce moment-là. Bon, au final, ça se passait sans ghost. Non, ça... Oh, j'aurais peut-être dû. Merde. Je sais pas. Je pense que j'ai misplay. Ah, il va crever. Ok, non, il crève pas. Je m'attendais pas à ce que le pilier la bloque autant et j'avais pas l'info sur ses sorts d'invocateur. Allez, on va être un dégueulasse. Je vais totalement jouer pour mon match-up. Comme ça, là, j'aurai le plus gros spike. Et j'ai déjà l'anti à 40% pour le Olaf. Ça me fait de la mobilité pour lui aussi. Oh! Plus d'ulti, plus d'ignite. Ça me va. Là, je peux pas affronter le Olaf, quand même. Oh!
J'allais dire, faut que je fasse attention, c'est... Attends, pardon ? C'est dans les derniers trucs qu'ils peuvent faire. De trappe dans les buissons comme ça, vu que j'ai pas d'ult. Et ouais, mon vilain ! Oh, le double kill gratos, merci. Oh là, va peut-être vouloir forcer la tour, serait bien de la défendre. Putain, si je joue vraiment uniquement pour mon match-up, là je fais même pas les Navori, là je fais genre Serilda. Ça me fait quand même de la CDR et ça me fait de la peine pour le Olaf. Ce serait vraiment être un salaud. Ok, tu veux que je reste. Eh, hey, personne n'a défendu top, le Z il m'a prank. J'ai cru qu'il était en train de bouger, mais il a pas bougé en fait. Dégage, je vais faire ça. J'ai envie d'être sale. Allez, j'attends pour la petite épée longue. Bah c'est plus terrible d'ulti pour les tours. Depuis qu'il y a eu la nerf de... Enfin le nerf, le changement sur l'ulti. Oh ! Attends, il y a quelqu'un là ! Il a pas d'ult hein ! Putain, c'était qui ? Je détecte rien. Je suis en itemisation complète dans... pour mon match-up. Sachant que c'est déjà un bon match-up pour Trinda et que j'ai eu l'avantage contre pas possible. Ils ont un timing là pour me mettre un Kha'Zix Yuumi. Faut juste que j'attende la tempo de mon équipe. Ouais voilà, ils sont là-dedans. Ils vont faire ça toute la game hein. M'attendre dans les buissons là. Attends, peut-être que c'était juste l'Olaf qui faisait les golems. Non. En fait, je sais que c'est leur seule stratégie. Ils ne peuvent rien faire d'autre dans cette partie. Mais le souci, c'est que... Bah du coup, je suis le seul qui peut se faire couiller par ça. Fort heureusement, je joue Trinda. Donc je détecte les buissons. Elle dure cette partie quand même. Pourquoi elle dure autant? J'ai l'impression que mes alliés ils chill sur la map. Après ça, avec trop forcé, c'est leur donner potentiellement un moyen de comeback alors qu'elle nage en 40 secondes. Jamais il sera autant avancé. Oh, j'ai rien dit. Grab. Petit slow. Bon. Eh bien, c'est là-dessus qu'on finira. La game était vraiment tranquille, hein, putain. Ça fait du bien après ce que j'ai vécu. Petite victoire sans effort, avec des free kills toute la game. Match-up gratuit et en plus je me fais camp par mon jungle. C'était... vraiment tranquille. Si tranquille que je me suis un peu endormi pendant la game, ça se ressent. Je suis devenu un peu mou là.